J'ai un problème de chat. Hop. Pas facile, hein, avec toi devant la caméra. Allez, ouste! Voilà, c'est parti. Salut à tous et bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo FAQ, foire aux questions, Frequent Asked Questions. Donc maintenant que j'ai viré le chat, on va pouvoir attaquer la vidéo tranquillement. Donc comme toujours, j'ai sélectionné, là je dois avoir à peu près une quinzaine de questions que j'ai sélectionnées parmi tout ce qui m'a été posé sur ma page Facebook que je vous invite à retrouver dans la description si ça vous intéresse de me suivre. Comme toujours, j'y suis assez actif. Donc, on commence sans plus tarder pour cette première FAQ de 2015. Fabien, tu viens quand faire un tour en Suisse? Un jour, peut-être. Je n'ai pas la moindre idée. Si un jour je trouve le lien d'une grosse OP en Suisse, éventuellement, pourquoi pas. Mais je n'ai aucune date précise. Arnaud, pour participer à une OP, il t'est arrivé de faire combien de kilomètres de chez toi au terrain et surtout pour quel genre d'OP? Je parle histoire, CQB, réaliste. Le max que j'ai fait, c'est plus de 300 kilomètres. Allez, pour, enfin, aux alentours de 300 kilomètres, donc presque 600 kilomètres aller-retour pour des grosses OP vers Nancy du genre de DMZ3 en 2013. Et pour quel genre d'OP? Pour des OP qui sont connus, que je me constate pas avec la team 600 bornes pour rien. Des grosses OP quand même bien, pas forcément des grosses OP, mais des OP qui sont connues, qui sont bien organisées, qui ont des orgas qui sont compétents, qui ont un scénario qui tient à peu près la route, enfin où ça se passe bien, quoi, où on se retrouve pas comme des couillons au milieu du terrain sans savoir quoi faire, où tout est bien cadré, tout est bien organisé, tout se passe bien, où... Voilà quoi, normal quoi. On ne veut pas se taper 600 bornes aller-retour pour débarrer au milieu d'un terrain puis pas savoir quoi faire. C'est un petit peu contre-productif. Voilà. Fesh 67, c'est un pseudo, j'espère. Fesh, pourquoi l'airsoft et pas le paintball? Parce que l'airsoft. Voilà. Je critique pas le paintball, mais parce que l'airsoft, quoi, c'est tout. Pierre-Antoine, penses-tu que l'OP DMZ4 à Blénolet-Toul sera une bonne OP? As-tu prévu d'y aller? Si tu y vas, quel sera le matos que tu prendras? J'étais à DMZ3, donc au même endroit, et pour vous dire, il y avait 600 places pour DMZ4, ils ont fait une petite prévente un petit peu privée de 100 places. Quand ils ont mis les ventes publiques, quand ils ont ouvert les ventes publiques, je pense que les 10 premières places qui ont été prises étaient celles de moi et ma team, quoi. On a été dans les, allez, dans les 30 premiers, dans les 30 premières places qui sont parties, on était, il y en avait 10 qui étaient pour nous, quoi, à peu près. 9, je crois. 9, on y va à 9. Donc oui, si c'est comme DMZ3, ce sera une très très bonne OP et on y sera. À savoir que à l'heure actuelle, toutes les places ont déjà été vendues. Là, on est le 17 février, ça se passe en juillet, c'est déjà tout vendu. Mais bon, surveillez quand même au cas où ils en remettent quelques-unes en vente. Quel matos que je prendrai? Je sais pas du tout, je verrai très certainement mon set, ma config actuelle en assaut, comme je joue tout le temps, hein, c'est mon rôle, donc je vais pas changer. Le matos, je sais pas, très certainement mon AK, peut-être la SR47, selon ce que j'ai à ce moment-là, quoi, je sais pas du tout, on verra, il y a encore le temps. Hein. Joris, est-ce que le fait de faire des vidéos sur YouTube t'a permis d'avoir accès à plus de parties, si je puis dire ainsi, ou alors plus de notoriété sur les terrains? Avoir accès à plus de parties, non, pas vraiment. Je suis un joueur lambda, je me permettrai pas d'exiger ou je ne trouverai pas ça normal qu'une place me soit réservée plus qu'à un autre joueur, donc non.
d'avoir accès. Non, je me démerde toujours pour trouver mes parties ou mes OP. Enfin, on se démerde avec la team, quoi. Mais plus de notoriété sur les terrains, oui, ça m'arrive pratiquement à toutes les grosses parties qu'on fait, que quelqu'un me reconnaisse. Oui, plus de notoriété, ça oui, ça c'est sûr. Yann, que penses-tu des répliques avec effet sonore, gadget ou réel intérêt? J'y mettrais même pas dans une de ces catégories. Je considérerais ça plus comme un danger qu'autre chose. Les trucs qui simulent des bruits d'armes à feu pour des répliques d'airsoft, je suis pas du tout pour. Parce qu'il y en a certaines maintenant qui sont... Il y avait un prototype qui était extrêmement réaliste. Et je suis pas sûr que si un badaud passe par là et entend des bruits de tir d'armes à feu, ça risque pas de le faire flipper et qu'il appelle les flics. Alors que le bruit d'une AEG, on entend tout de suite que c'est pas des vraies armes, quoi. Mais je suis pas fan de ce genre de procédé. Après, ça reste du gadget, quand même. Clément, as-tu déjà pensé à inviter des abonnés dans tes vidéos? J'y ai déjà pensé, mais pour quel genre de vidéo? C'est ça le souci. Faire une vidéo type, éventuellement un jour, un gros événement, faire une petite vidéo, un petit rencontre abonné, éventuellement, mais après, inviter des abonnés comme ça, il faut que l'occasion et l'intérêt de la vidéo se présentent en même temps, mais... Oui, le mieux serait genre un salon d'airsoft ou un truc comme ça, ou un gros événement, faire une rencontre abonnée. Oui, là, ça pourrait être totalement faisable. Thomas, salut, iras-tu au Shooting and Games Show 2015 s'il a lieu, oui. Parce que pour le moment, il n'y en a pas eu en 2014, et pour 2015, j'ai vu aucune info qui circule pour le moment, à moins que je sois un peu à la bourre. Mais s'il y est, certainement qu'on se fera un petit convoi pour y aller. Sébastien, beaucoup de personnes pensent que l'AK-47 est symbole représentatif du terrorisme. Que leur répondrais-tu? Représentatif du terrorisme, je dirais pas tout à fait ça comme ça. Disons que ça, dans un sens, ça paraît un peu logique, tout simplement parce que tout ce qui est AK-47, AKM et tous les dérivés sont des armes qui ont été produites dans des stocks, des quantités monstrueuses, et tout simplement qu'après la chute de l'Union soviétique, y a tous les stocks qui se sont retrouvés un peu à l'abandon. Donc ça s'est vendu à des quantités monstrueuses à prix minable. Ça se vendait au kilo, en gros, hein, ça se vendait à la tonne. Et ce sont des armes qui sont extrêmement fiables, extrêmement simples d'utilisation, faciles à démonter, faciles à entretenir. Donc ça paraît logique que des groupes armés qui n'aient pas forcément de moyens se rabattent sur des armes qui sont très faciles à obtenir, qui sont très simples à utiliser. Donc, c'est comme ça que l'AK s'est un peu retrouvée. C'est vrai qu'on voit des images de terroristes, on les verra rarement avec un SCAR dans les mains ou un HOG. Ça va être de l'AK-47 parce que c'est très facile à trouver, ça coûte rien. Et moi, j'y vois toujours, moi je vois l'AK-47 comme l'arme emblématique russe, quoi, pas terroriste. Mais c'est vrai qu'on associe très facilement AK-47 et terrorisme. Je pense que si la M4 avait eu, si à la place de l'AK-47, des caractéristiques de l'AK-40, c'est-à-dire que l'AK-47 c'est pas cher, c'est facile à démonter, tout ça, si ça avait été la M4 à la place, on aurait vu tous les terroristes avec des M4, quoi. Voilà. Mais c'est tombé sur l'AK. Moi, j'y vois toujours comme une arme russe avant d'être une arme de terroriste. Chacun voit midi à sa porte, quoi. Mais ne faisons pas d'amalgame. Bastien, continues-tu à faire de la photographie et pourquoi ne pas en faire sur les terrains pour faire un peu plus connaître notre magnifique loisir ? Je continue toujours à faire de la photo, un peu moins en hiver parce que les paysages enneigés, ça me chuchote un peu. Je suis un jurassien qui n'aime pas la neige, tout simplement, donc moi la neige, ça me casse les bonbons.
Et pourquoi ne pas en faire sur les terrains pour faire un peu plus connaître notre magnifique loisir? À savoir que sur un terrain entre ma réplique et mon appareil photo, je prends la réplique. Je préfère jouer plutôt que prendre des photos, à moins que je sois contraint, comme j'avais fait une fois, par un petit problème de santé, à ne pas pouvoir jouer. J'étais quand même monté faire des photos. Mais principalement, quand je suis sur le terrain, c'est ma réplique que j'ai et pas mon appareil photo. Donc voilà, faudrait que je voie, quoi. Mais je préfère jouer plutôt que prendre des photos. Nicolas, bonjour Blaise, aurais-tu une astuce concernant le port des lunettes correctrices en plus des lunettes de protection obligatoire? Ça peut paraître con, mais être aveugle comme une taupe dans une partie, c'est pas l'idéal. Je veux bien te croire, j'ai plusieurs joueurs dans la team qui sont concernés par ce souci. Plusieurs solutions s'offrent à toi. Moi, j'en vois trois principales. Trouver un masque qui soit assez large et pas forcément trop serré autour de la tête pour pouvoir quand même caler tes lunettes en dessous. Donc un masque assez large et avoir des lunettes assez étroites justement pour pouvoir caler tes lunettes de vue et ton masque par-dessus sans non plus que les branches te rentrent dans les tempes. Ou solution qui peut paraître des fois plus logique, que j'ai l'impression que personne n'y pense, des lentilles. Des lentilles de contact, t'as des lentilles de contact, t'as plus de soucis avec ça, quoi. Je sais que les lentilles, c'est peut-être. J'ai aucun souci de vue, moi, donc je suis désolé, mais je sais pas du tout ce que ça fait de mettre des lentilles, mais ça peut être la solution. Ou sinon, la solution qui peut être un peu plus onéreuse, mais qui serait tout aussi efficace, c'est de faire des lunettes balistiques à ta vue. Ça existe. Je crois que j'ai un membre de la team qui a prévu de s'en faire. Tu peux te faire des lunettes de tir, quoi, des lunettes balistiques, qui seront des lunettes de vue. C'est peut-être la solution idéale, j'ai envie de dire. Donc voilà. Petit poney. D'accord, petit poney. Et pourquoi pas? Chacun ses goûts, hein. Que penses-tu des derniers événements? Est-ce que tu penses que ça a ou aura des répercussions sur l'airsoft? Alors, petit rappel pour ceux qui regarderaient cette vidéo dans un avenir un peu plus lointain, ou ceux qui vivraient dans une grotte, ça fait certainement rapport aux attentats de Charlie Hebdo qu'on a eu au début de l'année, où une bande de lâches ont sauvagement abattu 12 personnes au siège de Charles du magazine Charlie Hebdo, et d'autres après. Enfin, ça a été un merdier incommensurable pendant quelques jours. Donc du terrorisme, de la lâcheté pure et simple. Je pense que c'est pas forcément une très bonne chose pour nous non plus. En plus que certains continuent à faire les cons avec leurs répliques, à faire n'importe quoi avec. Donc ça, mêlé à tout ça. Va vraiment falloir faire attention si c'est parce qu'un jour ils vont nous décréter que l'airsoft est illégal, c'est interdit, il faudra pas chercher d'où ça vient, hein. Des conneries comme ça et des abrutis qui font les cons avec leurs répliques à tirer n'importe où, si un jour c'est interdit, vous pourrez vous en prendre qu'à vous-même. Et moi je risquerais de devenir méchant si je tombe sur quelqu'un qui fait le con avec une réplique. Je le suis déjà en général, mais. Voilà, faites pas les cons avec vos répliques, c'est tout. Vous les sortez sur le terrain, vous jouez sur des terrains où vous avez le droit de jouer. Vous vous trimballez pas en ville avec vos gears et votre réplique apparent. Vous allez sur le terrain en civil, les répliques dans les boîtes et vous sortez tout sur le terrain. Voilà, c'est tout. C'est quand même pas compliqué, hein. Voilà. On va pas aller plus loin. C'est de l'intelligence et de la logique pure. Jérémy, vas-tu aller voir American Sniper? Là, on est. Quel jour? Quel jour on est? On est mardi 17, je vais le voir normalement vendredi. Donc, je pourrais pas vous en parler dans la vidéo, j'en parlerai dans la prochaine éventuellement. Mais oui, je vais aller le voir tout simplement parce que Clint Eastwood, pour moi, autant derrière que devant la caméra, est un des meilleurs acteurs-réalisateurs, enfin, de ceux que je préfère. Donc c'est vraiment un acteur et réalisateur que j'adore, dont j'ai vu pratiquement toute la filmographie depuis ses débuts dans Le Bon, la Brute et le Truand jusqu'à Gran Torino ou ce genre de film. C'est toujours des films que j'ai adorés, en passant par exemple par Le Maître de Guerre, hein. Va te faire pomper le dard et fais pas chier.
le maître de guerre, qui est juste magique. Donc, ouais, je vais sûrement aller le voir. Lucas, où en est ta chaîne secondaire? Je pense qu'elle serait aimée par beaucoup et que tu pourrais varier les plaisirs. Ma chaîne secondaire est ouverte depuis déjà quelques mois. J'en ai malheureusement pas parlé sur YouTube parce que je préférais laisser. J'en ai parlé un petit peu sur Facebook, mais je préférais laisser un peu les gens découvrir ça par eux-mêmes. Pour le moment, il y a très peu d'abonnés, il y a très peu de vues, il n'y a que deux petites vidéos que j'ai faites et j'ai pas eu l'occasion de traiter un sujet qui méritait une vidéo pour la chaîne secondaire depuis. Donc, elle n'est pas vraiment en stand-by, elle est là, elle existe. Mais quand j'aurai l'occasion de refaire une vidéo dessus, je referai une vidéo dessus. Comme je vous dis, le rythme de sortie de vidéo dessus, c'est totalement anarchique. Il pourra y avoir 3 vidéos par semaine, comme il peut pas y en avoir ben là, pendant 6 mois, quoi. Mais elle est ouverte, la chaîne secondaire est ouverte. Je vous remettrai le lien, bah pareil, dans la description de cette vidéo, vous aurez le lien de ma chaîne secondaire. Adrien. Salut Blaise, as-tu connu aussi la période où tu commençais l'airsoft? Comment as-tu eu tes premiers contacts Team OP? En gros, oui, comment au tout début, comment je me suis débrouillé, quoi, en gros, si je comprends bien. Bah, la team, je l'ai créée, on l'a créée avec Guerlaz, donc ça a pas été le souci. Les contacts, bah, au début du bouche à oreille, on zioote un peu sur Facebook. On cherche quoi, on sort les doigts du cul avant que ça cicatrise et puis, hein, et puis on cherche quoi, ça nous tombe pas, c'est comme tout, hein, ça nous tombe pas tout cuit sur le coin de la gueule, là, pouf, tiens, une OP, oh bah d'où elle vient, merde alors. Je veux dire, voilà, faut pas, faut se sortir un peu les doigts du cul avant que ça cicatrise, hein, je le répète, mais voilà, on cherche et puis c'est tout quoi, on cherche et puis on trouve en général, c'est pas bien difficile, hein. Ça se fait, des connaissances qui étaient déjà un peu plus avancées que nous à ce niveau-là, nous ont filé des tuyaux, des infos, nous ont invités à des OP, on a pris des contacts, on a gardé des contacts, on a pris des trucs, et puis tout ça, à force, ben, on a une liste de contacts longue comme le bras, et puis on sait où trouver des gens pour jouer, on sait où trouver des OP, et puis voilà, quoi, ça se fait, c'est tout. Voilà. La fin des questions que j'ai triées, je vérifie juste au cas où, comme toujours sur Facebook, que rien n'a été reposté. Entre-temps, Chacal Maître, tu aimes les bonnets? Bof, pour fan. Je préfère les loups ou les chats. Mais les poneys, ouais, quoique, un bon petit steak de cheval ou de poney, je dis pas non. Bref, ne divaguons pas trop non plus. C'est maintenant la fin de cette première vidéo FAQ de 2015. Donc, comme toujours, si vous avez des questions, je vous invite vraiment à me suivre sur Facebook pour, à chaque fois, je mets une publication pour dire, je fais une vidéo, mettez vos questions, ta 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 ta. Donc, pour participer à cette vidéo, c'est vraiment le meilleur moyen que vous puissiez avoir, c'est me suivre sur Facebook et attendre que je fasse une publication au sujet d'une vidéo FAQ. Ce sera le meilleur moyen pour vous que je réponde à votre question. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous aurez apprécié, pareil, comme toujours, m'entendre blablater sur un peu tout et n'importe quoi. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à la commenter si ça vous a plu ou si vous avez des remarques à faire. Sur ce, je vous dis merci, salut, airsoftez bien et à la prochaine!